Bonjour à tous, c'est John Jodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, la dernière vidéo mission Goku Rush GT Vegeta Rush, alors là en l'occurrence c'est du Vegeta Rush, et donc on est sur la mission, enfin double mission du coup, au-delà du Super Saiyan et combat du destin, du coup on a fait les deux missions en même temps, alors parce qu'en fait on n'avait pas trop envie de faire au-delà du Super Saiyan tout seul parce que ça allait être tellement facile que on s'est dit vas-y on va pimenter un peu le truc et du coup on a fait une team qui comporte à la fois la mission au-delà du Super Saiyan et la mission combat du destin. Alors au-delà du Super Saiyan, si vous la faites sans vous restreindre, je vais même pas parler de la catégorie parce que voilà, il y a un milliard de personnages, il y a tellement de persos et tellement de persos incroyables, tellement de possibilités de team. Bon, cette catégorie est totalement cheatée. Voilà, au-delà du Super Saiyan, enfin voilà, t'as tout ce qui est au-dessus du SSJ, c'est n'importe quoi. Donc, je vais pas m'y attarder, on va parler de la catégorie combat du destin qui, pour le coup, est déjà un peu plus restrictive, mais c'est une catégorie qui est très large aussi, hein, regardez, il y a quand même beaucoup de persos aussi, en vérité. Et du coup, pareil, regardez le nombre de LR dans ce truc, enfin, je veux dire, il y a tellement de possibilités de team, mais c'est un truc de malade, en fait, non, mais vraiment, c'est, vous avez vu, c'est un bordel. Franchement, c'est un bordel. Mais même là, en fait, je peux même pas tout citer. Ça prendrait 2 heures de tout citer, là, en termes de combinaison. C'est un truc de malade. Alors, pour faire la double mission, bah, finalement, ça laisse quand même un choix plutôt pas mal de persos. Mais non, mais en vrai, là, même là, mais il y a trop de persos, les gars. Mais regardez. Et tout ce qu'il y a. Et c'est un bordel. Il y a trop de persos. Ah, franchement, là, c'est un truc de fou, hein. Vraiment, vu comme ça, tu peux jouer Kamehameha, tu peux jouer Ennemi Juré, mais vous pouvez jouer tellement de trucs, non mais vraiment. Alors, il n'y a même pas besoin des leaders, parce qu'encore une fois, tu peux faire des catégories incluses dedans, enfin c'est... Voilà, et surtout si vous ne faites pas les deux missions en même temps, enfin je veux dire, il n'y a aucun problème, donc franchement, je ne vais pas m'y attarder, surtout que les persos finalement, là, je vais revenir sur plein de persos sur lesquels je suis déjà revenu récemment dans les missions. Donc bon, je vais faire que de me répéter, donc vraiment, tout ça pour vous dire que ces deux missions sont vraiment pas très compliquées, parce qu'il y a tellement de choix... Que, a priori, vous allez vous en sortir sans aucun problème. Hein. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. Donc, vous ne devriez pas avoir de soucis, évidemment. Après, sur des cas de figure, voilà, en fonction de la box, ou peut-être que oui, mais bon, vu tout ce qu'il y a à choisir, bon, franchement, ça doit pas être bien compliqué. Mais enfin, bon. Sur ce, bah, je vous laisse avec le gameplay avec les deux missions d'un seul coup. C'est parti. Même l'OST transpire la badassitude. Non mais c'est une occasion en or, c'est une occasion de crever en fait. Occasion de crever, de ramener Végéto des 5 ans. Non mais en fait le problème c'est déjà j'ai pas de doublon et puis enfin, une fois pour en plus faut les garder pour stacker, enfin c'est chier quoi. Non, vraiment c'est trop chiant quoi. L'aspect de Vegeta, attention, oui. Oula, Vegeta bleu un peu décevant là. Une spé, je suis un peu déçu. Zéro critique, il est pas chaud. Hein. Pas chaud du tout, garçon. Ah,
merci Gilgamesh. Oui, Song, c'est déjà fait. Allez, boum. Terrible, c'est trop temps, ouais. Cette rotation peut me coûter un peu cher en PV, en vérité. Le stack végétaux. Voilà, vas-y, enfin stacké, pas c'était. Enfin voilà, t'as compris. Ouais, non, non, je crois pas, non, Tristan. Il est déjà bien assez haut. Hein. Coup de boule. Ouais, ouais, l'additionnel, ouais. Ça m'aura arrangé de tuer maintenant, ouais. À se retrouver sur la face puissance ici. Pas dingue. Hein. Bon élève à pas stack. Ah bah bien sûr. On voit pas la durée du stream quand il est lancé sur l'appli, mais je crois. Et comme pour l'instant j'ai pas combat décisif. Bon, pour l'instant on va pas garder le Goku parce que c'est un peu chiant là. Pour l'instant on va gentiment le dégager parce que là c'est un peu compliqué. Merci Mina pour le 17e mois de sub, merci beaucoup. L'aspect qui tombe, Gogeta, tu fais quoi? Ah bah merci frérot, parce que bon, évidemment, comme il n'a pas commencé à stacker son petit passif, c'est la sauce. Et il n'a pas esquivé, merci beaucoup. Ça, c'est pas très cool quand même, hein. Chocomousse. Voilà, mon seul problème, c'est que si Goku 4LR prend l'aspect, il va y avoir un problème. J'espère qu'il va pas la prendre. Mais comme il y a qu'une seule attaque dessus, il va pas la prendre. Mais non. Mais non. Après, s'il fait double spé, c'est bon, il la tank. Hein. Voilà. Ouais, allez. Merci Xtas pour les bits. Merci beaucoup.
bien Vegeta God. Très bien. Bah mine de rien, c'était sur l'attaque suivante. Hein. Très bien Vegeta God. Tout compris frérot. Bon bah Goku peut terminer la phase. Hein. S'il a envie, s'il est chaud. S'il est chaud, il termine. Enfin s'il est chaud, ouais non bah 2 spé c'est fini quoi. Oui. Alors Gohan LR n'est pas parti une seule fois en spé de toute la game. Gogeta est encore debuff. Un peu la merde, non. Bon. Ouais, mais bon, double item. Après. Ouais, c'est quoi, vas-y, on va faire ça. De toute façon, on pourra pas regarder le Dokkan mode. Pour la dernière phase. Ça va pas aller assez vite, hein. Un enfin, carnage c'est écrit hein, parce que sinon le carnage on va pas aller voir loin. Hein. Après vous savez des fois on prend des décisions pour le fun, hein. On prend pas que des décisions pour gagner la game à 100%, enfin vous savez des fois on s'amuse aussi, on peut s'amuser. Hein. Y a pas que le tryhard en mode faut que je gagne absolument. Ouah, Gohan LR qui veut se rattraper, c'est cool. Le plateau est pas très généreux. Hein. Ouais, c'est vraiment de la merde. C'est une catastrophe le plateau en fait. Hein. C'est une catastrophe. Après on a double item mais bon c'est une catastrophe. Hein. Merci Gilgamesh pour les bits. Je crois que j'ai le Dokkan mode obligatoire au prochain tour. Hein. Ce qui est dommage, c'est que là, il est quasiment mort en fait. Hein. Et Goku 4 qui va chercher l'aspect. C'est un peu dommage quand même. À moins que le LR1 explose là.
le LR explose, il y a moyen qu'il le tue, mais avec Goku. En fait, il y a moyen qu'on le termine, ça dépend. Ça dépend des crits, pas crits, mais. S'il esquive, évidemment, aussi. Parce que là, Goku, à la fin, il peut totalement le terminer. Ah, double attaque. Ah, ça va être un peu tendu, hein, je pense. Hein. S'il a pas de doublon, ça va être un peu compliqué. Ah, il peut le tuer, hein, mais je pense de spé crit, il est mort. Mais sachant qu'il peut en faire 4. Et bon. Ah, la deuxième, frérot. Allez. Non, mais une spé. Mais non. Mais... Bon, pire. Car il y a Végéto avec les contres. Oui, il peut debuff, c'est bien. Attends, mais est-ce que j'ai le Dokkan mode obligatoire là, en fait hein. Non, je crois que c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, il est pas. C'est bon. On est ok. Le contre. Oh là là, regardez, j'en demandais pas tant. Le contre de Gogeta au cas où. Boum. Ouais, par contre, c'est dommage, je suis pas mid life à pas grand chose. J'aurais pu l'enchaîner comme jamais là. Le plan est tellement net. Bon, moi, on aura l'aspect ultime ici. On a la réduction. En attendant, j'ai dû mettre plus d'items avec cette team qu'avec la précédente, hein, quand même. Bon, 8 millions, il y a moyen de faire quand même très très mal, là. Allez, go mettre un crit. Allez, le critique, s'il te plaît. Allez, vas-y. Oh là là, ouf. Enfin, c'est sûr que si on avait fait l'active skill, le combat serait terminé là. Avec l'active skill, le combat était fini. Parce que l'active skill met mid life, là le combat était terminé en fait. Avec l'active skill, c'était le one tour. Hein. Évidemment. Arrêtez de vous comparer les OST. Les OST, c'est de la musique, chacun ses goûts. Arrêtez avec les débats inutiles, les gars. Ah! Ah, Guanelair, il est motivé, on sent qu'il veut revenir dans le game. Il a pas stack, il est un peu. Il est pas bien. Il dit, attends, moi je veux revenir dans la game. Bon, bah je sais pas, peut-être qu'on le tue ici. Hein. Si on le tue pas, on finit avec la passion, mais... Il y a un monde où il est mort là quand même. Hein. Quand même très probable, à moins qu'il esquive, mais très probable qu'il soit mort là, quand même. Parce
sent pas bon pour toi, hein. 70% de crit ici, je rappelle. Ah, quoique, non, depuis le temps qu'on l'a transfo, peut-être bon, 50 quand même. Je vais pas compter les tours. Hein. Ah! Allez, Goku, laisse-nous la passion, frérot. Ne le tue pas. Laisse-nous. Laisse-nous. Oh, l'esquive! L'esquive qui permet de pas le tuer. Le 13 LR de la passion. Eh ben. Imaginez, je serais mort après ce trait. Imaginez dans une autre situation. Ça aurait été vraiment incroyable, hein.